ce albator. On gardera de toi une image, un trésor, d'un capitaine au cœur d'or. Bien. Alors, capitaine ? J'ai bien réfléchi. On reste des pirates, hein, capitaine ? S'il y a au moins une chose que nous a appris cette guerre contre les Sylvidres, c'est bien que nous devons rester ensemble. Albator, tu brises le feu et la glace. Albator, capitaine ? Nous devons dissoudre notre groupe. Quoi ? Minute, papillon, on n'est pas d'accord ! C'est pourtant la seule solution. Pourquoi ? Il est devenu fou ! C'est vrai, quoi ! On commençait seulement à former une bonne équipe. Personne ne pourra plus nous arrêter. Qu'est-ce qui vous arrive, capitaine ? Vous avez perdu votre courage ou quoi ? Vous avez peur ? C'est possible. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne te crois pas. Je suis fier de vous et je suis fier de notre victoire. Mais la guerre que nous avons menée ensemble m'a enseigné qu'il y a mieux à faire que de rester hors la loi. Je n'ai pas le choix, je suis né pirate, mais pas vous. Regardez. Cette planète a besoin de vous. Votre jeunesse et votre énergie sont indispensables à sa reconstruction. Notre Terre n'est plus rien si nous l'abandonnons. Et nos efforts pour la sauver auraient été inutiles. Bravo, ça c'est bien parlé, je suis d'accord avec toi. Alors voilà ce qu'on va faire. On va envoyer nos plus jeunes sur la Terre. Moi, je réponds de nos machines pour le voyage. C'est d'accord. Et sur Terre, il y a une autre mission qui nous attend. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous prendrons un peu de repos. Et mon vieil ami aussi. Et c'est ainsi qu'après avoir vaincu la formidable armada royale des Sylvides, mes 40 braves soldats et moi-même entreprirent le voyage de retour vers la Terre. L'Atlantis lui portait encore les marques de la rude bataille qu'il avait dû livrer. Et nous avions bien l'intention à notre arrivée de prendre un peu soin de lui.